Wesh la famille, bien ou quoi? T'as vu l'autre fois, t'as dû me voir dans le 9-5 chez Sambastos. T'as dû me voir dans le 92. Là, j'arrive à la maison, cousin, 91. Aïe, 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 cousin, 91. Si je vais dans le 91, c'est quoi? C'est pas pour venir montrer de la merde. C'est quoi? Je suis venu montrer le terroriste du rap français, cousin. Hein? Aïe, 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 suis-moi, mon pote, suis-moi. Aïe, cousin. Elle oh, ouais. Aïe aïe aïe, El Maliano, El Maliano. Si, si, la famille, pour Bassora, j'ai fait le déplacement, t'as vu, il m'a appelé, on est à la baraque. Il m'a ramené les bails, tout ça, les trucs Bassora. Non, bah, je suis venu, lui c'est la famille, c'est Bakary. Depuis longtemps, on soutient. T'as vu, j'ai enlevé le son, je vais me présenter, tout ça. Donc moi, c'est Cru, et qui est El Maliano. Infâme Staff Family, mon label que j'ai monté déjà il y a de ça un peu. On va dire ça date un peu. 2003-2004, j'ai monté mon label indépendant. Donc j'ai un projet, il s'appelle Les Préliminaires. On a fait déjà. Donc c'est un street album, 17 morceaux, tout ça, qu'on a fait, on a pressé, on a distribué à notre manière, tu vois, main à main, tout ça, un peu dans les Fnac, dépôt vente. T'as vu, sans se blaguer. Donc voilà, on a pressé beaucoup de CD parce qu'on est des gens ambitieux. Donc après, on n'a pas fait disque d'or, on n'a rien fait, tu vois. On en a vendu à nos proches, aux gens qui nous soutiennent. Après, on est un peu allé dans les provinces, tout ça. On est arrivé à vendre un peu plus de 3500 CD. Donc voilà, on est fiers, t'as vu. On est plusieurs sur la structure, on se défend comme ça. Donc voilà, hein, ça, c'est un projet pareil, du même ordre. C'est les bails indépendants que mon poteau Bakary fait. Donc voilà, ça s'appelle Bassora, c'est un putain de projet. Il m'a appelé. Voilà, regarde, les mecs ils font pas les trucs à moitié, tu vois. C'est des mecs qui font leur projet, c'est solide. Puis la capuche, les casquettes, tout ça. Voilà. Il m'a appelé, donc il m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu poses sur mon truc. J'ai dit mon frère, même les yeux fermés, je viens depuis le début, c'est comme ça. Depuis 98, frère, 96. Il fait des projets, le frelot, il m'appelle, je viens normal. Donc là, pareil, je suis venu, j'ai posé un petit truc pour lui. C'était en mode mixtape, façon compile, tout ça. Donc voilà, j'ai pris un petit prod face B, j'ai fait un petit truc. Pour lui normal, sinon en ce moment moi perso je suis sur mon album solo qui s'appelle L'Acte. Donc le premier projet c'était Les Préliminaires avec tout mon label, là c'est L'Acte, donc c'est une suite logique. Voilà, donc voilà, on est là, on fait aller quoi. Donc là Bakary m'a appelé, il m'a parlé de son truc, il m'a dit il y a des caméras, tout ça. Je suis venu direct en mode Maliano, pas de baggy, tout ça. Il m'a dit nous on est en mode détendu, le soleil, les jardins, la verdure, tout ça. J'ai dit ok, y'a pas de souci, je suis venu normal, voilà quoi. Donc voilà, sinon à part ça, à part ça, t'as vu, y'a pas grand chose à dire d'autre, hein, t'as vu, nous on est là, on fait nos trucs, on n'est pas des stars, donc quand on nous appelle, on vient direct. Voilà, hein, le rap, hein, on vit pas de ça, mais on fait ça parce qu'on aime bien quoi. Mon gars, moi je veux que. Non, mon gars, avant de finir ça là, hein, mon gars, il faut un acapella. Tu es fou, Nigo. Nigo. Non, je peux faire un acapella, y'a pas de galère. Un acapella, on va vous montrer c'est quoi le rap. T'as vu, moi, le rap. Venu, on m'a dit. Vous êtes t'es là tous les jours, tu grattes. Lui, c'est facile pour lui. C'est comme du coca. Coca, comme quand tu bois du coca, lui, c'est pareil. Lui, c'est un frère. C'est même plus le truc. Tellement que c'est détendu, lui, c'est un frère. On parle pas que de rap, tu vois. Des fois, il me conseille dans ma vie, quand je pars ça part en sucette, Bakary. Ça c'est les mecs qui te conseillent. Il était là quand ça allait pas. Ça, lui c'est un frère. Franchement, moi je suis tout cœur avec toi, la famille. Normal, hein, Inch'Allah, moi, là, on est là pour Bassora. En même temps, moi je fais un petit peu de bœuf pour mon projet. Mais sinon, de toute façon, c'est la même chose. Bassora, ISF, production, c'est pareil. Parce que tu vois, même sur l'album, on a décidé de faire une petite copro, tu vois. De céder sur les contacts, de céder sur la distribution, sur le marketing, tout ça, donc on travaille ensemble. Pas de soucis, c'est la famille, on est là. Et voilà, maintenant, tu veux que je fasse une petite acapella. Je veux dire un dernier message pour les mecs du 9-1. T'as vu, regardez. Partenaires, on est plutôt au canal, t'as vu. À un moment donné, les mecs, soudez-vous. Plus on se soude, et plus il y a des chances que tu verras plein de mecs péter. Parce que tu peux pas faire un mec, il mange des petites
met de son côté, l'autre il mange, l'autre met dans ce côté, c'est pas possible. C'est des forces. Arrêtez vos fiertés. Si vous vous connaissez bien, si vos objectifs collent ensemble, foncez les mecs. C'est ça qu'on va faire là, nous. Franchement, après ne vous étonnez pas. Franchement, 2009-2010, c'est pour nous. Inch'Allah. Vas-y, un femme staff. Aïe, cousin. Non, mais là, mon frère. Non, franchement, bien, tu vois. C'est nous, comme je dis, hein, y a aucune incitation à quoi que ce soit. C'est pas le délire, tu vois. On est des mecs, on fait pas que ça. Pas que du rap, le rap c'est un passe-temps, mais maintenant si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas aussi, tant mieux aussi. Voilà, y a pas de soucis, gros. On est là, en tout cas, on fait nos trucs. Y a des gens qui nous supportent. Et on sera toujours là pour eux. Voilà. Sinon, à part ça, pas de galère. Donc je peux faire une petite acapella vite fait. Charismatique, tu veux un feat, ose venir me demander. Je suis un mélange de Nahdin Bebek, motherfuck, Niamrodé. Y'a Tunisiano, l'Algérino, Vla El Maliano, retient le blaze, 115 kilos de muscles et des tonnes de phases. La France, le soir, au boulot, le matin en train de dealer en bas ou inversement. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Cousin, Biz King Prod. Hi cousin. Ouais. Tout ça c'est réalisé par les rois du Biz. Biz King Prod, les rois du Biz. Vous avez vous ramenez vos caméras qui font 100 cm, il y a nul. Hein, c'est nul, c'est noir et blanc. On dirait que c'est des années 70. Nous sommes rentrés en 2010, cousin. Hein, cousin, les rois du Biz Prod, Biz King Prod, cousin. Hein, petite caméra, mais mon frère, c'est efficace. Toi, grande caméra, toi, c'est noir et blanc. Bon. Ça, c'est un instru de mon album. Voilà, un morceau qui s'appelle El Maliano. Donc voilà, ça m'en place. Là, le téléphone il sonne en même temps. Ok. Si. Ok gros. 1. Bassora Street. Parc Olièvre. Ok. El Maliano. 1. La France, le jour au taf, le soir en train de dealer en bas. Petit deck, t'auras des dents de sagesse, tu verras que le SMIC ne suffit pas. 6 dans la même chambre, génération Mehdi, Madi et Rudy. Ici c'est pas Miami et leur dirty tassebi. Rick Ross est un négro gras qui ne parle que de luxe. Moi je te cause misère et je n'ai que du muscle. Laisse le rêve aux Américains, on n'est pas dans le même délire qu'eux. Le respect se gagne dans la révolte. 1. Ok, si. Calme. Le reste, c'est... Tu vois? Calme, mon frère, voilà. 5-6 mesures pour te montrer un peu la couleur du bail. Le reste, voilà. Pour finir, les 5-6 mesures, ça, c'est l'équivalent de tes 13 titres qui se ressemblent. Qui a pas de fond. Violence. La vie, il y a des violences. Est-ce que ton frigo n'est même pas vide? Hein, il est rempli. Hein, ton frigo, il n'y a pas la violence. Tu es un menteur. Faut arrêter de vous dire parce que t'as fait une petite garde à vue, hein, et tu crois que c'est comme ça la vie? C'est pas comme ça. Moi, je suis pas un gangster. Regarde, moi, je suis un mec détendu. Les mecs, le rap, on a besoin des mecs détendus, mon pote. C'est fini. Lui, il vient, il vit pas de rap, il vit pas du rap. Regarde, mon frère. Et que même pour acheter ça, t'es obligé de passer par la location pour avoir ça, un rappeur. T'as même pas honte? Tu dis là, gaga, et t'es obligé d'avoir une location. Salaud. Bon, la famille. C'est 91. Bacari anti-rappeur. C'est 91. Non, parce qu'il faut être anti-rappeur. Non, je suis pas anti-rappeur. Moi, je suis là pour les frères qui sont là, qui se soutiennent, qui sont à la même longueur d'onde. Les mecs, tu les appelles à peine. Ouais, ce cousin, pour un featuring, 800 euros. Tu sais même pas qui je suis. Tu sais même pas ce que je veux dire, 800 euros. C'est 800 euros, c'est quoi? À sortie, mon frère, c'est presque un SMIC. Donc, je vais donner ça à toi. Comme je t'ai dit autrefois, tu vas pas manger un restaurant sur mon dos. Vas-y, El Maliano, Bassora Street, bizkingwar.com. El Maliano, Bassora Street, bizkingwar.com. Allez, mon gras. Si. Ouais. Ok, les refs. On s'attrape pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Vas-y, gros. Passera, ma foi passera, percera et tu verras l'atterrissage, pas de corps. 91 nous étendard, comment ça ils veulent nous bailler? Ça fait ratatata, on a seul coup d'état. Hey, tu demanderais peut-être.